l'aventure commence. On a trouvé un bateau à Canet-au-Roussillon. Donc en fait, on a posé les enfants chez mes parents. Et donc on a vite pris la voiture mon père et on est parti à 2h du mat de Genève. Un peu fatigué, mais super content. On a hâte de voir ce... Katana 411. Pour commencer notre projet, il nous fallait acquérir notre bateau. Nous avons opté pour ce Katana 411, pour sa réputation de catamaran hauturier, son espace de vie et son prix. Il est en refit complet, mais on vous fait faire un petit tour. Actuellement, nous nous trouvons dans le cockpit, espace de vie extérieur, et c'est d'ici que nous manœuvrons le bateau. Nous arrivons à l'intérieur, dans ce qu'on appelle le carré. À votre droite, vous pouvez voir la table à cartes, où nous avons tous les instruments de navigation. Elle est encore toute démontée. La table du carré peut se déplier pour offrir un grand coin repas. Et voilà notre cuisine. Nous descendons maintenant dans la coque bâbord par quatre petites marches. Et nous avons au centre la salle de bain. Nous avons à l'intérieur une douche, un lavabo et un WC. Là, nous arrivons dans la cabine avant avec deux couchettes. Nous allons mettre des rangements supplémentaires aux parois dans toutes les cabines. Car le gros bémol de ce bateau, c'est le manque de place de rangement. Et pour un voyage au long cours, c'est compliqué. Nous arrivons dans la cabine arrière avec également deux couchettes. La coque tribord est identique, ce qui nous fait en totalité 4 cabines doubles et 2 salles de bain. Pour accéder à notre coque, il suffit de remonter les 4 petites marches et d'aller pile en face. Nous voilà maintenant à l'extérieur, sur le pont du bateau. Comme vous pouvez le voir, le bateau est à sec. Il y a encore des réparations à effectuer sur les coques, poser les deux nouveaux moteurs et divers petits travaux à finir. Une fois le bateau terminé, nous vous ferons une vidéo spéciale bateau pour vous montrer la différence et expliquer plus en détail le fonctionnement et l'appareillage d'un bateau. Monter un projet comme celui-ci nécessite une préparation importante. La réalisation de notre rêve nous oblige à passer par des chemins méconnus que nous n'aurions certainement jamais empruntés. Et nous voilà à Rézé, à côté de Nantes, village de pêcheurs, ancien village de pêcheurs, où nous allons participer à un stage de mécanique diesel et électricité marine pendant 4 jours. Avant de pouvoir avancer pleinement dans le projet et inclure nos enfants au maximum dans cette aventure, il nous fallait leur annoncer la nouvelle de l'achat du bateau. Tu vas partir combien de temps? 50. 50 quoi? Temps. 50 ans? Oui.